Bonjour à tous, bonsoir. Yo les gens, c'est Drac, Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc, nous allons partir en solo. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle. Ça va être la nouvelle saison demain. Donc, je tourne la vidéo le jour d'avant, bien sûr. Cette vidéo sortira le jour d'avant de la nouvelle saison. Donc je pense que je ferai un petit live sur la nouvelle saison le jour d'après. Donc pas le 8 mais le 9. Donc le mercredi à la place de Dying Light. Dying Light qui est en ce moment un petit jeu que je tourne pour Twitch. Donc pour ceux qui veulent aller me voir en vidéo live Twitch, tout s'affiche en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir Drac Survie sur Twitch. Je fais un peu de tout, je ferai, pense que je vais aussi faire un peu de Fortnite, je me remette un peu à Fortnite si la saison 7 est pas mal. Donc on va continuer Dying Light aussi. J'ai téléchargé un jeu que je n'ai jamais vu. Je pense que c'est un ami qui l'a, et vu que je suis en comparaison avec sa console, donc j'ai son jeu, donc on va voir si ça me plaît, et on verra bien tout ça. Donc dernière vidéo sur Fortnite saison 6, on va voir tout ça. Donc je viens de lancer, donc je suis avec notre cher ami, notre cher ami Raven qui j'ai ses dernières personnalisations pour ceux qui suivent un peu Fortnite. Donc pas de défi aujourd'hui. Alors on va faire de la solo. Je vais pas pousser ou quoi que ce soit. Je vais pas pousser ou quoi que ce soit, donc FNAX final, ouais c'est ça, ouais, 28-30 mai, ouais c'était la semaine dernière. Donc en solo, donc on va essayer de faire un petit top 1, voir si je peux pas faire de top 1. Je vais essayer de faire un petit top 10 au minimum. Je vous montre un peu la boutique pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc pour ceux qui ne sont pas allés encore, voilà, il y a le pack Aurelia. Donc Aurelia qui est aussi sur la map, donc qui est au bout de map, comme je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Après, il y a encore pas mal de skins qui est encore de la DC Comics. Pareil, DC Comics, il y a beaucoup de DC Comics en ce moment. Il y a encore les packs, donc il y a encore les packs de la saison. Bon, moi après je les prends pas parce que voilà. Et je n'ai pas envie d'user mon argent pour beaucoup quand on les voit déjà avec des skins ou quoi que ce soit de plus de 2000 V-Bucks. Je suis désolé, mais moi pour moi j'appelle ça maman, passe-moi ta carte. Donc. Wally Walou, donc c'est parti, petite game. Donc j'espère que ça va pas laguer, hein, parce que là je suis pas en live, donc voilà. Je vais utiliser donc un nouveau logiciel pour la lundi, donc pour ce soir, pour ce, bah, moi pour demain, mais pour vous pour ce soir. Je vais utiliser un nouveau logiciel, donc ça sera un logiciel test. Je vais essayer de parce que j'ai téléchargé un logiciel pour Twitch. Qui normalement devrait me faciliter la tâche et normalement liver sans avoir de bug. Donc je vais déjà voir si ça marche, ou sinon je relancerai OBS entre temps parce que ça sera pas sur OBS. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de bots, à part si on n'attend pas la 100. Ouais, ça sera que des bots. Ça sera que des bots, je pense. Ça pue les bots. Il y a peut-être quelques joueurs, mais je vais peut-être vous baisser un peu le son parce que sinon ça sera trop fort. Voilà, donc c'est parti. Donc tout compte fait, ça n'aura pas changé trop la zone, on va dire.
Je vais aller à Misty. En ce moment, je spawn beaucoup à Misty. Orlia est ici, comme je vous l'avais dit. Je vais aller à Misty. Ou si j'arrive pas à aller à Misty, je vais aller autre part. Mais je pense que je vais aller à Misty. Ou non, je vais aller à Lazy Lake. Donc c'est parti. Dernière game, dernière session sur cette dernière saison. Donc apparemment il y aura deux nouvelles zones qui sera cool. Ils vont nous enlever ces armes primitives aussi qui nous servent strictement à rien de créer. Parce que tout compte fait, c'est un peu pareil. Donc il y a une banane. La merde, pas d'armes, un coffre là. Au début, je les trouvais jamais, les double revolvers, et puis là, ah, tant mieux, j'ai envie de dire. Alors en ce moment, c'est beaucoup joueurs de grenades. J'espère que je vais pas tomber sur un gars qui fait que ça, parce que. Ok, c'est un bug. Je m'en suis douté. Nous sommes où? Oh, pas si loin de la zone, ça va. Ah, par contre, il y a un vrai joueur. En espérant qu'il casse pas les pieds, parce que. Du temps des joueurs à la voiture. Attendez, parce que
Je l'ai entendu. Ah, il n'y a que les bottes pour casser comme ça. Il n'y a rien là. Pas eu de shield, alors c'est un peu emmerdant. Ouais. Tiens, bouffe ça. T'apprendras. Tirer dans le dos. Tellement observé, tellement annubilé par le par les contenus de, des autres, la plupart, qui font même pas attention sur qui ils vont tomber. Déjà 4 kills. Lag, j'ai des petits rolls, c'est chiant. Ok, ça va se finir en plein milieu, ça c'est cool. Ouais, j'ai des rollbacks. Comment ça se fait que ça freeze hein, comme ça? Je suis jamais tombé sur les aliens pour le moment, apparemment il y en a qui sont déjà tombés dessus. Je sais pas. C'est quoi ces joueurs? Je fatigue moi à force de regarder.
faut pas les points, c'est chiant. Le cochon m'a sauvé la vie. Le cochon m'a sauvé la vie. Oui. Je peux le dire, le cochon m'a sauvé la vie. Le cochon m'aurait pas mis un coup de nez. Clairement, je pense que je serais mort. Pourquoi j'ai tremblé? Je sais pas, mais j'ai tremblé. C'est pas possible. Ouais, non, je vais pas faire celui-là. Plus de 14. Je vais aller voir. Attends, mais c'est que des PNJ. C'est que des bots, c'est pas possible. Qui c'est qui me snipe à l'arc? J'ai pas le temps. C'était juste pour me pour utiliser. Ah, je me suis TP au-dessus en plus. Le petit symbole des aliens. Nous sommes plus que 11. Bah 10. J'espère que c'est pas que des bots, parce que j'ai l'impression que ce sera vraiment dommage. Parce que là, une game bot. Putain, c'est ouf quand même d'avoir mis des pentagrammes comme ça. Des... côté. J'en ai vu un. La zone va être grande. On va être plus cuite.
J'entends pas tirer, on est plus que 4, c'est ouf. Attends, mais il est où? Je l'ai entendu charger! Non, quand même pas dans les buissons, quand même, les gars. Putain, il est quand même pas au-dessus là. Et on est plus que 4. J'entends pas tirer. Oh, bah plus que 3, je veux dire, mais bon, déjà, il y a personne qui construit. Ah. Ça tire là-bas. On va rester dans la zone quand même. Parce que normalement. Je pense qu'il y en a un là-haut. Je vais faire, c'est que je vais. On va éviter tout souci. Plus que 3, mais le truc c'est que je les vois même pas. Bon, j'ai quand même 8 kills hein, quand même. Allez, joue fair play. Oh bah ouais, mais il joue pas fair play. Il joue pas fair play, j'aime pas ça, les gens qui font comme ça là. T'as pas de race, c'est tout, t'as pas de race. Je suis désolé, mais construire comme ça, c'est... Bah ouais, mais il est en train d'enflammer tout le terrain. Bah ouais, mais j'appelle ça pas jouer. Je suis désolé, il a dit kill, le gars il fait que ça, il fait que de construire. Je suis désolé, moi j'appelle ça pas jouer. Le gars il est en train de courir pour essayer de jouer fair play, il y en a plus qu'un. Le gars il joue cache-cache. Voilà, l'autre il a fait un kill gratuitement. Bah... Moi j'appelle ça pas jouer, je suis désolé. Et après vous vous dites, mais les gens... Et après vous dites que les gens vont faire des trucs en bot. Et vous avez vu, je n'ai pas construit une seule fois, je me suis caché. L'autre se planquait dans un buisson, il attendait juste à avoir le dernier kill. Et en plus de ça, le gars, il doit avoir même pas un kill. Alors, quel est le rapport? Pourquoi vous faites ça? Sérieusement? Sérieusement? Ça vous sert à quoi de jouer comme ça? De jouer cache-cache ou de construire autant? Le gars, il construit pas de l'autre côté. Je sais pas, dans ces coups de temps-là, vous vous dites, bon, bah dans ces coups de temps-là, j'essaye de moins construire. Ou tu mets du bois. Le gars, j'ai même pas mis un truc. C'est ouf, quand même. C'est ouf. Vous, je sais pas, et vous vous dites, après, les gens, ils disent, bah dans ces coups de temps-là, va sur un autre jeu. Mais dans ces coups de temps-là, va jouer sur Gold of War. Va donc jouer sur Gold of War, et après, on verra. Quand t'auras joué à Gold of War et puis que t'auras pas construit et que tu te prendras que des têtes, on verra. C'est pas possible. Quand tu joues, quand je vois les personnes, que ça soit TikTok, ou les autres sur YouTube, mais qu'est-ce que vous faites sur Fortnite si vous construisez pas? Dans ces coups de temps, allez jouer sur Minecraft ou autre chose. Mais dans ces coups de temps-là, mon gars, va jouer sur Gold of War. Va jouer sur Gold of War. Quand tu tomberas sur un mec comme moi sur Gold of War, et après on verra. D'accord? Et après, tu me diras, ben, je construis parce que je suis le meilleur. Déjà, t'es le meilleur parce que t'es allé en mode créatif, mon pote. Moi aussi, j'y connais quelques-uns qui sont allés en mode créatif pour jouer comme ça.
Alors, faut arrêter. Moi, je joue comme ça, c'est parce que moi, ça me plaît. Alors, arrêtez de faire chier le monde, d'accord? Donc, passez une bonne soirée. Merci encore à ceux qui seront passés et qui ont regardé cette vidéo. Je m'excuse pour le dernier moment où je gueule. Mais moi, j'appelle ça des footeurs de merde sur un jeu qui peut être pas mal. Je suis désolé, le gars, il a construit 90 machins pour me mettre une balle tout bonnement tout à la fin à la SCA. Je suis désolé, mais moi j'appelle ça pas de couilles. Voilà, le gars il a foutu le feu au large. Ben, faites, écoutez, moi j'appelle ça que voilà des footeurs de merde qui savent pas jouer. Donc passez une bonne soirée. Merci encore à ceux qui ont regardé. Désolé encore d'avoir gueulé, mais voilà. Puis ben, n'hésitez pas à aller me voir sur Twitch, à discuter, à machiner. Et pour ceux et celles qui ont envie de discuter beaucoup plus, n'hésitez pas aussi d'aller voir le Discord serveur Drag Survie, qui est aussi en lien de description. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas.